Et bien bonjour à tous, c'est Kurashba et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite Sauver le Monde. Et oui, je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo de présentation du pass de combat de saison 6 que je vous ferai très sûrement une vidéo sur Sauver le Monde, donc on va commencer tout de suite. Donc on va commencer par ouvrir des lamas. Oui. J'espère que c'est pas des trucs. Donc on va commencer. C'est tout pour cette fois. Voilà. J'espère vraiment avoir... Ah, j'ai failli. J'aurais vraiment aimé avoir des personnages. Donc, lama de Rosecrux. Rien ne vaut les classiques. Ça, c'est les lamas qu'il y avait dans la saison d'avant, je crois. Ok. Toujours pas. Ah, c'est un personnage. Je pensais que c'était un personnage. Ok. Yes, j'ai un personnage. Non, parce que je viens de commencer et je n'en ai pas beaucoup. En plus... Parfait, parfait, parfait. Donc, lama pléthorique, je ne sais pas. Oh là là ! Ok. Lama chan. Ok. Ça c'est bien. Ça c'est très très bien. Ruez vers l'or ! Waouh, dès le départ du légendaire. Après je pense, je sais pas, c'est peut-être forcément ça. Je sais pas si je vais prendre ça. Waouh, ok, encore. Allez. Clé à cliquer. Ok. Ça, c'est le meilleur que j'ai jamais eu. Un soldat ou un aventurier. Un soldat. Allez. Ok. En plus, il me donne le choix à chaque fois. Ça, c'est trop sympa. Allez. Ça, c'est parce que je l'aime bien, lui. Oh, mythique. C'est des mythiques que j'ai. Oh là 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 là. Allez. Ah. Je pensais que j'allais encore avoir du mythique, que j'allais avoir que du mythique. Bon. Bon. J'en ai pas beaucoup d'autres. Encore le choix. Bon, c'est peut-être le lama qui était comme ça. C'est quand même beaucoup mieux de feu. Enfin. Bon, le truc, c'est que du légendaire. Donc ça va coûter très cher à fabriquer. Hein. Donc. Ah bah j'ai mes armes à distance forcément. Enfin. Allez, petite snipe. Ok. Un survivant légendaire. Encore le choix, allez. Ça, c'est le truc qui vous met bien. Fusil à pompe. Allez, j'espère faire. Ah, j'ai cru qu'ils allaient encore me laisser le choix. Oh, dommage, ça s'arrête. Ah, oh, j'ai pas eu assez de trucs. C'est pas assez rare pour moi. Non, c'était bien sûr qu'une blague. Bon, j'ai pas. Ah bah, pourtant t'es mort. Plus qu'à tout ramasser. Allez, un survivant. Un survivant. Ok, bon. Tu es très très nul, toi. Bon, en fait, c'est en comparaison avec les autres, t'inquiète pas. Donc, on va tout de suite changer de personnage, parce que, vous voyez, là, ben, il n'y a pas du tout de beau personnage. Donc, là, on va prendre le bon personnage mythique, et on va lancer la mission. Donc, voilà. Par contre, j'ai pas regardé, mais c'est pas grave. Donc, c'est la protection de bouclier 2, je crois. Je me souviens pas. Mais voilà. Lancer. Ouh là là, il est très très beau mon personnage. Donc bouclier anti-tempête. Donc c'est très simple, je dois défendre. Bon, si vous demandez pourquoi j'ai pas fait de vidéo avant, c'est tout simplement parce que avant, en fait, c'est pas très intéressant. En fait, c'est. Enfin si, c'est intéressant. Mais vous apprenez surtout, en fait. C'est surtout apprendre comment faire à construire une. À vous dire, il faut pas oublier de prendre des ressources, faut pas... Enfin, voilà, c'est pas super. Donc là, je commence Mais nous ne sommes là. Pas tirés d'affaires pour autant. Notre bouclier anti-tempête est trop petit. Nous devons l'étendre. Bon. Je connais un moyen d'amplifier le bouclier. C'est un peu dangereux, mais c'est dans nos cordes. Bon, j'évoquais une complication. Il semblerait que le bouclier anti-tempête ait des qualités... explosives.
Donc on va commencer à dire que c'est une bombe. Pendant qu'il parle, nous ignorons pourquoi il produit un bouclier au lieu d'un petit cratère. Mais on ne s'en plaint pas. Sauf que cette amélioration pourrait tous nous tuer. Ou pas. Bref, allons-y. Nous n'avons aucune information cette fois. L'attaque peut venir de n'importe où. Vous devriez vous préparer à une attaque provenant de l'est et de l'ouest. Ok, allez, on va commencer à construire. Super. On va faire ça. Hop. Hop. Voilà, de ce côté, c'est bon. Donc on va passer de l'autre côté et on va faire la même. Pour lancer le combat, sélectionnez étendre le bouclier sur la console du bouclier anti-tempête. Voilà, je pense qu'on est bien. Non, bon, allez, on va lancer. C'est parti. La puissance du bouclier augmente. Ok. Préparez-vous à une attaque par le sud. Le sud. Sud, sud. Ok, comme la première fois en fait. Moi, ça me plaît. Allez. Faut pas que je prenne trop de dégâts. Ok, allez. Ok. D'accord. Oh, j'ai un piège légendaire, c'est vrai. Éliminez les carcasses! Ok. Faut que je protège les pièges. Parce que les pièges, c'était le dernier endroit. C'est la dernière protection. Hop. Grenade! Ça sert à rien, mais c'est pas grave. J'ai quelque chose pour toi. Bon. Voilà. Hop. C'est qui tient la tête. Bon. Faut pas que mon arme elle casse en plein combat par contre. Là ce serait sympa. Parce que j'en ai pas vraiment d'une des fois. En tout cas d'armes de même qualité. On va peut-être en faire un peu mieux. Oula. Non, non. Nous avons une petite pause. Une autre vague sera bientôt là. Préparez-vous à une attaque par l'ouest. Je sais pas. Ouest. Ok. On va se préparer. Donc j'en recharge toutes les armes. J'ai pas un autre fusil d'assaut. Non, je n'ai pas vraiment. Parce que... En fait, j'ai bien envie d'essayer une nouvelle arme. C'est quoi ça? Ah, bah, c'est un fusil d'assaut. Et bon. Bah voilà, on va fabriquer. Ah, bon. Il va falloir que je change d'arme après. Parce que... Moi, j'ai un nouveau fusil d'assaut. Je sais pas ce qu'il vaut. Géant! C'est pas lui, c'est lui. Ils sont où? Oh. Ah, putain. Ah ouais, il est bien. Bon, par contre, il durera pas, donc c'est un peu moins bien, c'est ça le problème. Il est où ? Ok. Mais pourquoi vous m'attaquez aussi de par là ?
y a un truc bizarre par là. Punaise, mais pourquoi vous attaquez par là? Ah, je veux pas d'éloigner. Ok, cette arme est plus débile. Hey. Même pas ça que je visais en plus. Ok. Grenade lancée. Je les ai ratés. Ok, plus qu'une minute. Cette arme elle est bien efficace. Et celle-là aussi. Oh, je l'ai raté. Ok. Ok, toi je vais finir la pioche. Et vous aussi. Oh, je lui ai mis une tête avec ma pioche. Oh là là. Zip. Ok. Et bah voilà. Bien joué. Gagné. Yes, yes, yes. Bon, en vrai, c'était pas une mission trop compliquée vu l'équipement que j'avais. Puis vu le personnage aussi que j'avais, parce que j'ai un personnage mythique maintenant. Je vous précise que mythique c'est quand même la rareté, la plus rare, voilà. Oui, le petit point de compétence, petit point de talent. Donc bon, le corps, je sais pas. Ça va aller vite. Oui. Allez, dis-moi juste que je passe au suivant. Oui. Allez, passez au suivant encore. Voilà. Bon, c'est pas grave. C'est bien celui-là. Donc on l'ouvre et après bah ça sera la fin. Voilà. Donc ce petit coffre et puis je vous dirai à la prochaine. Donc vous voyez comme ça au moins vous voyez un peu ce que c'est que sauver le monde et franchement je vous le conseille. Hein. C'est un très très bon jeu. Donc on va ouvrir notre petit coffre. Bon dans ce coffre là il n'y a pas souvent de trucs de bien. Ok, 2006 de titre de héros. Waouh! Nickel. Vous sentez la puissance du bouclier? 100 V-Bucks. C'est troublant. Point de talent. Ok. Donc, on va. J'en ai deux, donc on va les ouvrir. Salut! Oh! Waouh! Ah, ça brille! Bravo. Je savais bien que j'étais spécial. Je pensais que j'aurais mieux. Ah! Ah! Là, ça donne du bon. Oulala, ça a l'air bien. Ah bah quand on voit que c'est ça, on est un peu plus déçu. Ok, en fait je pensais que je me suis dit ouais bon il est passé en gris mais bon il est pas si bien que ça en fait. Alors si. Quoi de neuf? Ah par contre je crois qu'il n'est pas amélioré. Ça va être bien. Ok. De l'or moi. Donc les amis, je vous dis à la prochaine, c'était Courage Tuba, au revoir.